Il a le sourire rayonnant. Ange Noir est peut-être satisfait de ses premières prestations en tant que présentateur de la météo de TF1. Alors que débute l'été et que le sujet préoccupe tous les Français, le journaliste a réussi à séduire les téléspectateurs de la première chaîne. Âgé de 33 ans, ce passionné de météorologie a débarqué le 21 juillet dernier sur TF1 après avoir fait ses armes sur LCI et en ce 23 juillet 2023, il a pu laisser le stress retomber, et voilà, premier week-end à la météo de TF1 effectué. On se retrouve dans une semaine, a-t-il mis en ligne en story Instagram. Soulagé mais pas peu fier, le Toulousain, collègue d'Evelyne Delia, a suscité les interrogations du public et beaucoup de commentaires positifs en ce show week-end de 2 juillet. Visiblement la canicule n'était pas que dans le sud-est, j'ai pas de mots maintenant, je vais regarder la météo sur TF1, écrit l'un de ses abonnés sous son dernier post Instagram, si est-il normal d'être aussi canon. OMG dit une autre. Si est-il ce qu'on appelle un accueil chaleureux. Ange Noiret, météorologiste dans l'armée, le journaliste est un véritable météorologiste. Il a, en effet, fait ses études à l'École nationale de la météorologie à Toulouse, sa ville d'origine. C'est là que je suis devenu passionné de météo. Alors que j'avais toujours été bon élève sans trop travailler, je me suis surpris à bûcher mes contrôles comme un fou, a-t-il confié. Il a ensuite passé 5 années dans l'armée, en tant que prévisionniste aéronautique pour l'armée de l'air à Orléans. Après une école d'ingénieur. Si est-il d'ailleurs l'armée l'a inspiré à faire ses études, après lui avoir indiqué qu'elle recrutait des météorologistes. En 2017, il est recruté par la chaîne Météo, j'ai découvert une autre facette du métier, celle de la vulgarisation. Il a d'ailleurs précisé que le fait de se retrouver face à un truc qui vous fixe, la caméra, note de la rédaction, est tout sauf naturel. Visiblement, Ange Noiret a surmonté cette difficulté avec brio. Crédit photo, capture TF1. On your